Pour les jeunes, c'est une libération de l'esprit. C'est-à-dire que, tiens, ce soir, je me sens pas bien dans ma peau. Ben, tiens, je vais m'en fumer un. Hein, je vais me sentir mieux. C'est comme ça. On commence juste pour rigoler. 75 mesures de réflexion. À toi de voir. Au départ, on commence juste pour rigoler. Pour faire comme les potes, fumer un joint pour déconner. Sans sourciller, tu vas vieillir avant l'âge. C'est pas grave, maintenant que t'y as goûté. Tu peux calmer ta rage peu à peu. On se trouve tous des arguments. On commence la fumette pour soi-disant passer du bon temps sans perdre de temps. Tu commences par acheter. Tu sais comment ça se passe. Un ami va dépanner volontiers. Une barrette et puis une autre. La routine s'installe peu importe. Tant que tu as ta dose, le poil te pose. Et chaque jour t'emmène un peu plus loin. Les années passent et tes yeux se plissent. Ce regard du malin, même le matin. Tu commences par un bédo, 4-5 le soir. Et ouais, cousin, tu deviens accro. La dépendance s'installe. C'est pas ce que tu voulais, mais malheureusement, c'est devenu ta priorité. Tu traînes le soir et tu délaisses ta scolarité. T'es en train de foutre en l'air des années que tu rattraperas jamais. On passe à côté de tant de choses. Quand on est défoncé, tu t'en rends encore pas compte. Mais tu vas finir par t'isoler, t'embrouiller dans ton esprit. En pensant que sans ton te chie, la vie te ferait moins gaulerie. Quelle connerie, foutre en l'air autant d'argent. Même si ça n'a pas l'air, c'est un peu ton salaire qui passe dedans. Tu revends pour avoir quoi? Fumer gratis, même si chaque jour tu t'exposes à prendre de gros risques. La vie c'est marche ou crève dans la réalité. On compte plus sur nos doigts le nombre de potes qui sont tombés. Écoute petit, la pédave peut t'emmener très loin. Le point de nos retours sur un chemin qui ne sera pas le tien. On marche pédo dans la main et les yeux brillants. Trop tard pour se repentir quand la résine te froisse le sang. Combien de temps j'ai passé assis sur un banc, les dos aux lèvres avec mes potes, à sourire bêtement, attendre que le temps passe trop lentement, à esquiver les trous de boulettes pour éviter de niquer mes vêtements. Marcher pour toper, personne peut te stopper. Ta mère a essayé, trop de temps pour te raisonner. Jeunesse en détresse, trop stress à évacuer. Le manque de repères nous pousse à consommer. Rien qu'au collège, ça commence avant d'aller en cours. Cerveau endormi, comment veux-tu capter ce qui se passe autour? Je cours et tourne autour des plus grands. J'ai compris que c'est avec eux que je toucherai les meilleurs bons plans. Évidemment, on devient victime d'argent facile. On y prend vite coup et arrêter devient difficile. On se fascine pour cette plante, soit 10 ans douce. C'est des cailles à 10 ans maintenant. C'est l'hollandaise qui pousse, ça devient louche dans les yeux des adolescents. Un de plus ou un de moins qui passera à l'action. Les années passent, trop de traces sur ton visage. T'effaceras pas l'excès, même avec un bon maquillage. Les mirages, l'illusion, le passage des saisons. La pression qui monte et rien ne change à l'horizon. Les questions, pas les bonnes, les réponses t'abandonnent. Tu persistes et pardonnes tout le mal qui te donne. Ça t'étonne de voir tes rêves partir en fumée. Pas étonnant quand Marie-Jeanne te fait tant d'effets. Comment pourrais-tu concevoir la vie sans elle? Autant priver un oiseau de ses propres ailes. La ficelle sur laquelle tu tiens est prête à céder. Quitte à faire un choix, le plus sérieux c'est de se calmer avant que ta vie s'en mêle. Trop gai jusqu'aux semelles, les yeux levés vers le ciel. Personne n'est éternel. L'essentiel se trouve dans le bien-être de la personne. On se console comme on peut, que Dieu nous le pardonne. On déconne à chaque virage de notre existence. L'important c'est de retrouver la route de la délivrance. La distance n'est pas importante. Qu'on a traversé les montagnes, on peut marcher sur le volcan. Mais à quand les frères vont se résoudre à tourner la page? À vivre sans Dieu, vice qui chaque jour rend esclave. Les entraves, la fumette, donc j'ai joué des tours. Ça c'est sûr, t'as déjà envisagé d'arrêter un jour. Les années passent, et très dur de s'en décoller. Après 14 années, un long combat, moi je suis sevré.